troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mieri Mayoulou Nyamba, conseiller municipal dans la commune de Noisiel, et Yamine Soum, sociologue et professeur de relations internationales à l'Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, et Luc Mayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Tout de suite, le Zoom. Près de 4 milliards de dollars, le montant du budget mobilisé en 2018 par la Banque africaine de développement pour contenir le réchauffement climatique. La lutte concentre actuellement plus de 30% des budgets alloués par l'institution, de plus en plus préoccupée par ce fléau qui menace directement le continent africain, et les conséquences sont aujourd'hui très alarmantes. Corinne Kamzefen. En 2018, la lutte contre le changement climatique en Afrique a reçu un financement de 3,27 milliards d'euros de la Banque africaine de développement, soit 32% des approbations de projets au cours de cette année, une nette progression comparée aux 9% de 2017. La grande bénéficiaire de ce financement reste l'Afrique de l'Ouest, avec 34% des fonds alloués. La Banque africaine de développement prend conscience du fait que l'Afrique, en général, est encore l'un des continents où on rencontre plus de ressources naturelles. Et puis, elle estime que c'est le moment davantage d'investir sur son continent pour éviter l'avancée ou la progression du réchauffement climatique dans le monde. Dans le détail, 51% de ce financement ont été alloués aux projets visant l'atténuation du changement climatique et 49% pour l'adaptation au changement climatique. Une qualité de financement qui reflète la philosophie de la lutte défendue par la Banque africaine de développement, à savoir renforcer la résilience climatique des communautés plutôt que de se concentrer sur les interventions d'urgence. Je pense que subventionner l'agriculture, le reboisement, c'est au niveau plus bas de l'échelle. Parce qu'en allant plus bas, on va rencontrer les populations, on va les pousser à reboiser, on va les pousser à faire de l'agriculture, on va les subventionner. Ça va faire que davantage, on aura un phénomène de recyclage de l'atmosphère et puis un phénomène de réduction du réchauffement climatique. Bien qu'elle produise seulement 4% des émissions de gaz à effet de serre chaque année, l'Afrique reste malheureusement la région du monde la plus exposée et la plus vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Aussi, la lutte contre la survenue de ces fléaux reste une priorité dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Alors l'Afrique, qui n'est responsable que de 4%, seulement 4% des émissions mondiales de CO2 contre 12% pour l'Union européenne, 16% pour les États-Unis, 25% pour la Chine, mais le continent demeure la principale victime du réchauffement climatique. El Yamine Soum. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il y a sur 4%, l'Afrique pollue beaucoup moins. Et on l'a vu, hein, ce qui s'est passé au Mozambique, me semble-t-il, hein, où il y a les catastrophes avec une agriculture qui est plutôt raisonnée. Donc il faut faire attention à ce tropisme, c'est-à-dire que l'Afrique, il faut bien souligner qu'elle pollue très peu. On est encore dans une économie où, comme ça a été évoqué précédemment, hein, de matières premières, d'extraction, avec un tissu industriel qui est quand même assez faible, même s'il se développe. Donc voilà, il faut faire attention avec ce genre de sujet, parce qu'une fois de plus, ce n'est pas la priorité. On le sait aujourd'hui sur cette question, on a tendance à culpabiliser le consommateur sur la question du tri. On sait qu'il y a des grands pollueurs sur la planète, des multinationales, elles ont une responsabilité. Voilà, donc tout ça, il faut faire attention aussi à ces débats un petit peu en trompe de la priorité. Alors bien évidemment, sur la question du réchauffement ou du changement climatique, déjà il y a un débat dans la communauté scientifique. Tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il y a eu des périodes dans l'histoire de l'humanité où il y a eu du changement. Ce qui est sûr, c'est que notre impact, il est aujourd'hui, il a été crucial depuis maintenant 150 ans environ, depuis la période industrielle, sur les océans, sur les forêts, etc. etc. Et puis, l'histoire contemporaine, l'histoire de ces pollutions, elle nous amène à penser qu'il y a des choix qui ont été faits. Si on prend la voiture, hein, le développement de la voiture au XXe siècle, parce qu'il y a eu la politique du tramway dans tout un tas de villes, mais il y a eu le lobby notamment des Ford, des Renault, pour faire en sorte qu'on utilise cette voiture individuelle. Donc il y a des choix, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, des choix politiques avec des acteurs. Alors souvent ça a été lié à la guerre, hein. C'est la guerre qui a permis tout ce qui est aujourd'hui pour l'exploitation du bois, la manière dont on va chercher les poissons. C'est souvent l'économie de la guerre qui a permis de développer la manière dont on a été chercher les richesses. Et donc, la question qui se pose, c'est
quel mode de consommation. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une moyennisation du monde, de plus en plus de gens vont rentrer dans les classes moyennes, et on ne pourra pas empêcher le continent de consommer comme le reste du monde. On ne va pas nous consommer comme on veut, et puis on va dire aux autres non, non. Mais en revanche, on peut s'interroger sur l'économie circulaire, quid du traitement des plastiques, quid du traitement, tout ça, une fois de plus, c'est à organiser dans des États où il y a peu de... Il y a peu de ressources. En France, ça coûte, le traitement du déchet coûte environ 150 euros. Alors vous avez quelques boîtes qui capitalisent ça en France. On ne peut pas demander ça à un Malien. C'est impossible. C'est impossible. Ça pose tout un tas de questions. Donc voilà. Donc il faut faire très très attention, une fois de plus, j'insiste là-dessus, sur ne pas venir à poser un truc sur la priorité des gens dans beaucoup de cas. C'est comment on va soigner, qu'est-ce qu'on va manger, comment on va essayer d'être en bonne santé bien avant cette question du changement climatique, une fois de plus, qui impacte. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'impact sur toutes ces pollutions, sur l'extraction, mais il ne faut pas venir apposer ça d'une certaine manière au continent de manière comme ça, rapide. – Luc Mailloux, alors un impact quand même extrêmement important, il y a des millions de déplacés en raison du changement climatique, le continent est également exposé au manque finalement de nourriture également, aux famines en raison également, notamment du réchauffement climatique. Ce qui est certain, c'est ce qu'il faut des moyens. – Moi je pense que la première chose qu'il faut éviter, c'est le déni. Il ne faut pas avoir l'impression que le risque climatique, c'est comme le nuage de Tchernobyl qui s'arrête à une certaine frontière. C'est un risque qui est mondial. Il concerne aussi bien les Européens, les Asiatiques, les Américains, que les Africains. Donc si nous sommes dans le déni, comme on l'a fait à un certain moment concernant le sida, on risque de se réveiller tard, sonner groggy, parce qu'on aura été assommé par tous ces problèmes qu'on a voulu mettre sous le matelas, comme si on avait mis de la poussière sous un tapis. Il faut vraiment éviter le déni, de mon point de vue. C'est la première chose importante. La deuxième a déjà été dite, c'est que l'Afrique ne fait pas partie des gros pollueurs. Elle subit cela. Et je pense que quand on regarde même au niveau de notre planète, si on devait considérer que c'est un organisme vivant, il y a deux poumons aujourd'hui qui permettent à notre planète de vivre. C'est à la fois la forêt d'Amazonie et la forêt équatoriale qui sont d'importants puits de carbone. C'est-à-dire qu'ils absorbent tout le carbone qui est produit par les autres. Et donc pour ça, je pense qu'il y a quelque chose, un mécanisme qui avait été mis en place de pollueur-payeur qui est passé aux oubliettes. On ne sait plus aujourd'hui qui est le pollueur et surtout combien il paye et où va cet argent. Je pense qu'il faut régler cette question-là parce que quand on est un important puits de carbone comme le continent africain, on doit bénéficier de tous les dédommagements qui vont avec. Et malheureusement, ce n'est pas encore le cas. Oui. L'autre aspect, c'est qu'au-delà même de parler de ce que font les Africains et ou ne font pas par rapport au réchauffement climatique, il y a tous les déchets qui sont déversés sur le continent africain et qui représentent également un risque à la fois pour la santé et pour l'environnement. Et toutes ces choses-là doivent être aujourd'hui adressées à la fois par les autorités, mais par tous nos partenaires. L'Europe ne peut pas considérer que l'Afrique est la poubelle du monde. Où est sa poubelle? Il faut renvoyer ces déchets-là à leurs producteurs et trouver une manière de gérer cela qui soit collégiale et surtout respectueuse de la vie et de l'espace dans lequel vivent les gens. Mieri Mailloux Niamba, alors là on a un renforcement de l'engagement de la Banque africaine de développement, très bien, mais cela montre également peut-être l'échec de la COP21 où un certain nombre de promesses ont été formulées, mais les engagements n'ont pas encore été concrétisés. On parle de 7 à 15 milliards de dollars par an. C'est ça qu'il faudrait pour l'Afrique, pour pouvoir surmonter le réchauffement climatique et mettre en place des solutions. Mais derrière cette problématique, il a été dit par les deux collègues, c'est qu'il y a effectivement le fait que l'Afrique n'est pas le premier pollueur, il subit cette pollution. Deuxièmement, on ne peut pas nier le fait que le réchauffement climatique concerne aussi bien les Européens, les Asiatiques que les Africains, parce que les augmentations par exemple de température, les Africains le subissent. Ils voient bien tous les jours, par exemple, dans les régions où on produit le sorgho, le mil ou le maïs, qu'il y a des rendements agricoles qui baissent, les années avancent et ça baisse. Ça pose un problème à terme, un problème économique qui va se poser, et un problème social qui va se poser, un problème alimentaire qui va se poser. Le PNUD, on a parlé tout récemment dans un rapport où ils disent qu'il va y avoir des problèmes suite au réchauffement climatique. – Une question de sécurité de alimentaire. – Sécurité alimentaire pour les Africains, due au simple fait de l'augmentation de la température.
qui n'est pas due au fait des Africains, qui est due au fait de modèles de développement économique occidentaux qui ont effectivement pollué. Ils ont mis en place la COP21 et d'autres choses, mais les premiers pollueurs ne respectent pas ces fameux quotas. L'Afrique ne bénéficie même pas de dédommagement, comme il a été dit, par rapport à ça. On continue à subir, mais on ne va pas nier, c'est clair. Il faut plutôt aussi derrière que ce problème de réchauffement climatique ne soit pas un moyen de faire comprendre aussi aux Africains, vous n'allez pas consommer demain comme les Chinois ou les Européens, parce que, vu le réchauffement climatique, si vous vous mettez également, vu la croissance démographique qui arrive, on va avoir une grosse population d'Africains qui vont avoir besoin de consommer, aussi comme les Occidentaux, ça va arriver. Et c'est quelque part aussi peut-être un moyen aujourd'hui de faire comprendre aux Africains que peut-être demain, vous n'allez pas accéder aux biens de consommation auxquels bénéficient les Européens ou les Asiatiques. Et peut-être que vous allez continuer à vivre dans des économies de subsistance ou extractives, parce que si vous y mettez également, vu la croissance démographique de l'Afrique, ben, il y a des risques que le réchauffement climatique continue et qu'au niveau planétaire, il y a un problème. Voilà. Lucas Mayou. En plus de cela, moi je pense qu'il y a des programmes, on parle beaucoup de COP maintenant, on en est à 24, je ne sais plus si on est à 24 ou à combien, mais bon, le fait est qu'avant même d'organiser les COP, il y a une politique que les pays africains appliquaient et qui était, de mon point de vue, très intelligente. C'était celle de la ceinture verte. Le Maroc en avait fait un cheval de bataille, les pays du Sahel également, y compris le Cameroun, qui est à la frontière du Sahel, avaient fait en sorte qu'il y ait une ceinture verte qui empêche l'avancée du Sahara. Aujourd'hui, avec la situation sécuritaire dans ces régions-là, non seulement les populations s'en vont, mais on ne plante plus assez d'arbres, on n'entretient plus cette ceinture verte-là, et donc le désert n'arrête pas d'avancer. Donc il ne faut pas seulement voir les grandes solutions générales qu'on peut appliquer à toute la planète, il y a des solutions intelligentes au niveau local qui peuvent être appliquées, mais que l'on sous-estime aujourd'hui, dont on sous-estime l'impact. Et je pense qu'en luttant contre le terrorisme dans le Sahel, il y a une dimension que les gens oublient ou font semblant d'oublier, c'est que la lutte contre l'avancée du désert, contre l'avancée du Sahara, était un enjeu prioritaire pour ces pays-là et que cet enjeu est aujourd'hui placé très loin derrière l'enjeu sécuritaire. Et c'est dommage. Oui, je voulais juste ajouter sur la question des États. Effectivement, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur la question du Togo, du Bénin. C'est quand les États sont faibles, eh bien, ça pose tout un tas de questions. La Somalie, ça a été l'exemple des déchets nucléaires il y a un impact colossal, dramatique sur les populations. C'est ce qui en partie explique la piraterie qu'il y a aujourd'hui en Somalie, où la mafia italienne a envoyé des déchets nucléaires et radioactifs. Et une autre question à laquelle on ne sera pas l'économie, c'est nos modes de consommation. Occident aujourd'hui, par l'exemple de la mangue, qui est le cinquième fruit le plus consommé au monde, eh bien, il faut qu'elle soit belle quand elle vient en Europe. Donc, on jette la mangue qui vient en partie de Côte d'Ivoire, enfin, il y en a un petit peu partout sur cette zone autour des tropiques, eh bien, il faut qu'elle soit belle pour nos modes de consommation. On enlève des cultures vivrières pour les populations locales. Donc, tout ça est très connecté à la mondialisation, à nos modes de consommation ici. Et donc, on ne peut pas se faire une fois de plus l'économie avec, en se disant, on va jeter quelques mesurettes, et sans que ça entrave au développement du continent. C'est-à-dire que oui, l'Afrique a besoin aussi d'industrie. Je veux dire, on l'a. Maintenant, il y a des industries qui sont non polluantes, il y a des choix, enfin non polluantes en tout cas, qui le sont beaucoup moins. Il y a des choix qui sont faits en termes énergétiques, le choix des panneaux solaire, le choix du tout pétrole. Enfin, vous savez, il y a tout un tas de questions qui sont aujourd'hui, qui font appel à ce qu'on appelle le progrès, qui doivent être appliqués au continent. Donc, il faut faire attention, une fois de plus, ne pas être dans le déni, bien sûr. Hein. On a l'un des poumons, le bassin du Congo, c'est un des poumons de l'humanité. Mais ne pas faire porter la responsabilité à des personnes qui n'ont rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que la Cour pénale internationale, qui est une cour qui sert essentiellement pour les Africains, eh bien, on pourrait s'interroger demain sur le volet de la question environnementale, de voir qu'on sait très bien que les grands pollueurs, bah, ce n'est pas le type de base qu'aura son sac plastique parce qu'on est obligé d'aller l'acheter sur son marché. C'est aujourd'hui les multinationales et certains États. Aujourd'hui, la Chine possède l'équivalent du Tchad en terres cultivables sur le continent. Donc ça, c'est des terres en moins pour les populations locales. Voilà, sans parler du poisson en Mauritanie. Enfin, vous avez tout un tas d'exemples de pays qui, aujourd'hui, viennent se servir. Donc c'est ça, les questions qui se posent pour le continent.
Alors, ce qui est certain aussi, c'est que l'Afrique ne s'est pas véritablement encore saisie de cette question. À la COP21, on pensait que les chefs d'État sont parvenus un petit peu à s'imposer, contrairement à quelques années auparavant, à Copenhague en 2009. Mais finalement, quand on voit le résultat aujourd'hui, il n'en est rien. Il n'en est rien. L'Union africaine, sur ces questions-là, est inexistante. Pourtant, il existe une commission économique à l'Union africaine qui devait se saisir de ce genre de questions, mais elle est inaudible. Les différentes COP qui ont, comme l'a été signalé, ont été des occasions pour certains présidents africains de mieux se vendre. C'est tout. Par exemple, pour les présidents du bassin du Congo, de mieux négocier certaines choses avec les Occidentaux, mais pas vraiment de prendre en compte ce problème climatique et d'en faire peut-être un levier pour obtenir des avancées chez eux. Quand la Chine, effectivement, vient en Afrique et rachète des terres arables, mais ça fait effectivement des terres en moins pour les populations. Comment demain ces populations se nourrissent ? Donc le réchauffement climatique est aujourd'hui un problème des Africains, pas le premier problème, mais un problème. Mais derrière, il y a ces pays africains qui sont des États faibles, qui font des États qui souvent se font imposer les objectifs ou les perspectives par les États européens, comme aujourd'hui c'est plutôt la vision sécuritaire, dont la France porte le glaive en Afrique dans le précaré. Donc le Tchad, Centrafrique, c'est la vision sécuritaire, mais derrière cette sécuritaire, on a des populations qui sont là, qui souvent sont sous le joug de présidents ou de pouvoirs qui sont dictatoriaux, donc qui ne se soucient pas vraiment du bien-être des populations, mais plutôt de se maintenir au pouvoir. Et donc toutes ces questions dont on vient de discuter sont liées. C'est les faiblesses des États, c'est la vision qu'ont ces présidents établis dans ces pays africains de leur population, de leur pays à 10, 20, 30 ans. Eh bien, merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous, Mieri Maïlou Niamba. Je rappelle que vous êtes conseiller municipal en France dans la commune de Noisiel. Un grand merci à vous également, Luc Mayou, journaliste et président du Club de l'information africaine. Eliamine Soum, merci. Je rappelle que vous êtes sociologue et professeur de relations internationales à l'université Paris 3, Sorbonne Nouvelle. Et merci à vous, bien sûr, de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. Très belle soirée. Merci.